une place de marché internationale qui regroupe des créateurs qui viennent du monde entier. En l'occurrence, dans des univers comme la mode, le bijou, la décoration, la mercerie. L'avantage d'Etsy, c'est que rapidement, on est mis en relation avec beaucoup d'acheteurs au travers le monde. Moi, je suis peut-être un utopiste, hein, mais j'ai toujours pensé que la Côte Basque était une petite Silicon Valley. Aujourd'hui, voir tous ces entrepreneurs avec des idées incroyables, des valeurs, de l'ADN, une communauté forte, quand on voit des potentiels comme un fauteuil roulant, ou alors WeSurf qui a réussi à faire des belles levées de fonds, ou alors même des innovations sur un boulanger qui va réussir à s'intégrer en digital, ça me conforte dans l'idée que voilà, demain, on n'est pas à l'abri que la Côte Basque soit une Silicon Valley. Tendance Déco est spécialisée dans la décoration festive sur Internet. Nous avons plusieurs secteurs d'activité, le mariage, l'anniversaire, le baptême, la communion et les déguisements. Alors nous sommes une société de e-commerce, donc avec 8 sites internet, l'enjeu c'est d'être visible sur le web, puisque notre secteur est très concurrentiel. Donc nous travaillons exclusivement et essentiellement sur le SEO, qui est le référencement naturel. Notre objectif c'est d'être premier sur tous les mots-clés importants et stratégiques. Nous, la CCI, c'est vrai que ça fait longtemps qu'elle accompagne la société Tendance Déco, depuis sa création, depuis 15 ans, et ça nous permet aujourd'hui de rencontrer d'autres e-commerçants, que ce soit des start-up ou des gros e-commerçants, et d'échanger ensemble sur les bonnes pratiques du web, du digital, et puis de s'entraider sur le Pays Basque avec des super événements qui sont organisés par la CCI. Nous, est une société que nous avons créée en novembre 2009. Nous sommes basés à Anglet, sur les bords de l'Adour, et nous avons la particularité d'être les seuls fabricants européens de pirogues polynésiennes. Donc nous fabriquons des bateaux qui sont essentiellement en carbone, avec des techniques composites qui sont plus proches de l'aéronautique que du nautisme, et nous sortons des bateaux qui font deux compétitions principalement à la base, et qui font entre 9 et 10 kg pour des longueurs de 6,20 m à 6,50 m. Pour nous développer, il faut qu'on développe un marché qui est balbutiant, nouveau, et donc nous avons développé et nous avons un grand succès, la plus petite pirogue au monde. On avait besoin de faire connaître cette discipline qui est très ancienne puisqu'elle a 5000 ans, mais qui est très peu connue en Europe. Alors du coup, on a basé notre stratégie marketing et notre stratégie web sur la communauté, créer vraiment une famille autour de la discipline pour la rendre attractive. Avec notre agence web actuelle, le Labo, on va lancer une version numéro 2 de notre site internet avec énormément de nouvelles fonctionnalités qui auront pour but d'appuyer justement notre stratégie communautaire. L'entreprise de Rémerlou est à Bardos depuis 80 ans. Elle se positionne sur le marché de la rénovation et sur le secteur de la Côte Basque, dans les métiers de la charpente, de la couverture, de la zinguerie, de la menuiserie bois, de l'agencement et du service après-vente. Tout d'abord, c'est grâce à la CCI que j'ai eu connaissance de l'école de commerce pour participer à l'école des managers à l'époque. Et ensuite, on est régulièrement tenu au courant de tout ce qui peut concerner l'information sur le web. Dario Merlou sur digital, ça répond à deux besoins. La notoriété, on voit nos camions sur la Côte Basque, mais on ne sait pas forcément quel métier nous réalisons. Et puis, quel est notre positionnement. C'est important pour les clients, pour nous faire confiance. Mais quand ils nous confient la réfection de leur toiture ou de leur fenêtre, ce sont des achats qui durent plusieurs dizaines d'années. Donc ils veulent être rassurés, avoir des gens sur qui ils peuvent compter en toute tranquillité en face d'eux. Donc ce site, c'est d'abord pour leur présenter nos valeurs, nos compétences, l'engagement qu'on met au service de nos clients, le travail d'équipe et plusieurs exemples de réalisation par la visite de l'entreprise par vidéo ou par des réalisations exemplaires. Disponible sur iOS. Elle fournit la météo en haute qualité, haute résolution, donc c'est-à-dire que ça va être très très précis pour les surfeurs, et disponible gratuitement pour tout le monde.
Moi, mon service Invest French Basque Country a pour but de détecter des pépites pour les convaincre de venir s'installer au Pays Basque. Et donc, j'avais entendu parler de cette appli et cette société qui démarrait à Paris. Et j'ai proposé de s'installer au Pays Basque, à Hola Tous les Coups, où la société est maintenant basée. Et de les accompagner sur la levée de fonds, la connexion avec les acteurs locaux, avec des partenaires possibles, réfléchir à des nouveaux services présents sur l'appli et pourquoi pas l'internationalisation des services. Et la boîte est née de trois associés passionnés de surf. Donc Maxime, Ronan et moi, Arthur. Voilà, ça fait 2 ans qu'on existe et on ne compte pas s'arrêter là.